l'oubliette du vampire hémophile ne contenait aucun trésor autre que les inventions de Von Trichnoff. Ah, c'est pourri. La compagnie reprend donc rapidement la route et parcourt dans l'ambiance la plus maussade les 10 km restants pour parvenir au prochain village. Ah, tes souhaits. Tes souhaits. Mais non, c'est le nom du village que nous sommes en train d'approcher. Le village s'appelle Schnaffon. C'est bien ça. Mais ce n'est pas marqué sur la carte. C'est sûrement pour éviter de se couvrir de honte. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire sur cet écriteau. Ouais, encore 500 mètres. Nous y voilà. Cool. Mais la porte est gardée. Bonsoir, messieurs les gardes. Nous voudrions passer la nuit dans cette sympathique bourgade. Hey. T'as entendu ça, Roger? Qui trouve notre bourgade sympathique? Oui, ça vous pose un problème? Eh ben, ce qu'on vous connaît bien, vous autres, les aventuriers. Ouais. Hein, Roger? Mais... Ouais, vous venez dans le village pour foutre le merdier dans la taverne. Et puis après, vous allez essayer de vendre des trucs pourris que vous avez piqués dans les donjons. Mais non, pas du tout. Oh, l'autre. Allez, allez. Bon alors, on peut entrer? Je veux bien vous laisser passer, mais ça fera 4 pièces d'or. Ouais. Quoi? Hein? Et depuis quand on doit payer pour entrer dans un village bidon? Depuis que Roger et moi... On garde la porte, ouais. On veut pas payer. On aimerait bien voir où il est inscrit qu'on doit payer l'entrée. C'est pas juste. Et nous, on aimerait bien voir vos 4 pièces d'or. C'est grotesque, j'avais pas le droit. Que Xor l'ignoble fasse pourrir vos yeux. Ça fait quand même 4 pièces d'or. Je peux vous éventrer avec ça. Oui. Oh non. Hé, hey, le chevelu. On a 30 copains dans la caserne, juste derrière cette porte. Range ton épée. Oh putain. Messieurs les gardes. On pourrait peut-être négocier un prix d'entrée plus honnête. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Un prix plus honnête. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Alors disons... 4 pièces d'or. Bon. Voilà vos pièces. Mais je ne comprends rien du tout. Ok, ça ira. Vous pouvez rentrer. Mais ne faites pas les malins. Venez, vous autres. On s'est fait arnaquer. Ouais. Mais non, pas du tout. J'ai négocié. Tu parles. Je ne vais pas me laisser faire par des gardes corrompus. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il fera nuit dans moins d'une heure. On peut faire le tour des commerces. Et ensuite, on ira dormir à l'auberge. Ok. Oui. Alors, il faut décider de... Hey. Là-bas, j'ai vu passer un gros coffre avec des dizaines de jambes. Un coffre avec des jambes? N'importe quoi. Mais je vous jure. Et pourquoi pas la mort qui pêche à la mouche? Bah... Bon, alors je disais donc qu'il faut décider dans quel ordre on va visiter les échoppes. Pas tous en même temps. Bah moi, je vous ai assez vu pour aujourd'hui. Je vais faire un tour. Eh hey, mais... On se retrouve à l'auberge. Quel caractère. Eh bien moi, je vais essayer de trouver une boutique de sorciers. Bah ouais, mais... Ah bah voilà, et tout le monde se barre. J'ai trouvé l'armurier. Et moi, je vais m'acheter du shampoing. Tu parles d'une équipe. À tout à l'heure. Mais vous savez bien qu'il faut éviter de se séparer. Et toi, t'es encore là? Ça va être bien pour la conversation, hein? Je ne comprends pas ce que tu dis, et toi non plus. Mais merde. Bon alors, une boutique de sorciers. Je vais demander à ces gens. Excusez-moi, je cherche une boutique de sorciers. Bah, d'où tu sors, toi? On va mourir. Mais j'ai... Hey, ta robe, elle pue le coyote. Oh, bon, bah, je vais trouver toute seule. Ouais, va mourir. C'est à croire que les habitants de cette ville sont tous des crétins. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ça faisait un moment que j'en avais marre de l'elfe. Cette ville est à peu près aussi accueillante qu'une kermesse gobline. Quoi? Allez, dégage du vent. Est-ce que je peux vous poser une question? J'ai pas d'argent. Mais non! En fait, je cherche mon ami Barguid. Je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Bah, vous l'avez peut-être vu passer. Oh là là. C'est un géant avec une grande barbe et un grand manteau. Non, je l'ai pas vu. Piche-moi la paix. Mais vous êtes un vrai nain. Dis donc, le mioche, tu commences à m'agacer. Je suis pas un mioche. Je suis Gary Topper. Et alors? Je suis en troisième année à l'école de sorcellerie. Et je peux vous pétrifier. Avec cette baguette? Oui. Et mon professeur dit que... Voilà ce que j'en fais de ta brindille. Hein, tu pourras faire du feu avec les miettes. Faut pas me faire chier, moi. Hein. Bon, on dirait que c'est là. Faites attention, vous marchez. Ta gueule. Deux épées pour le prix d'une. Ah, ça c'est de la bonne qualité, madame. Ouais, cool, des armes. Bien le bonjour, monsieur. Ah, tu vois là un brave et fier client. Ouais,
Je suis un barbare. Bien sûr. Vous cherchez quelque chose de particulier? Épée vorpale plus 3 à 2 mains avec poignée cuir et garde amovible. Nous n'avons pas encore reçu ce modèle. Hache de bataille cimérienne à double affûtage. Eh bien, je ne vends pas ce genre de hache. Épée runique plus 8 qui boit les âmes. Ah, c'est dommage. Nous ne vendons plus aucune lame ensorcelée. Alors vous n'avez rien? Mais si! Regardez, cette magnifique rapière. Et là... Je reviendrai. Oh, bon sang, qu'est-ce que je vais devenir? Je me demande où ils sont tous passés. Ce que j'espère surtout, c'est qu'ils ne vont pas se faire tuer dans un coupe-gorge. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là? J'ai fait un bon feu. Ah ouais, un bon feu. Tu prépares un genre de barbecue? Tu ne veux pas venir te réchauffer? Près de mon feu. Non mais, qu'est-ce que c'est que ces propositions? C'est pas vrai, ça. On peut même pas se balader tranquille. Allez, viens, on se casse. Si seulement ces gens étaient des elfes, on s'amuserait. On pourrait cueillir des framboises et coiffer des poneys. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, mais on dirait une fête. C'est génial! Et voici le clou de ce spectacle. Là, vous coupez le oh souffle. Non, encore mesdames un nain. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, ce cochon va disparaître. On ne peut pas faire de la magie en étant aussi moche. Et puis, à quoi ça sert de faire disparaître un cochon? Vous allez la fermer, oui? Eh, ça va, vous? Je ne vous ai pas parlé. Faites moins de bruit, là! Oh là là! Maintenant, regardez très attentivement. Qu'est-ce que je fais? Ouapati, canon, verun, verun! C'est vraiment pathétique. L'existence des nains dans le monde du spectacle est une véritable insulte. Merde, je suis dans un marché. Comment on sort d'ici? Ça doit être par là. Regarde ça, les plus belles cibles au monde. Si tu veux être on peut même pas tuer une grenouille avec ça. Va chier avec les piafs. Hé, hey, soldat, tes gros muscles ont l'air tout crispés. Tu pourrais peut-être les décrisper avec une autre nous, même avec nos toutes. Chrome. Eh ben, on m'attend à l'auberge. Bon, alors comment on retourne à l'entrée maintenant? Ouais, c'est pas vraiment à toi que je posais la question. J'ai l'impression qu'on est perdu dans le quartier le plus naze de la ville. Eh ben tiens, regarde la tête de ce type. 2,21 gigawatts? Quoi? 2,21 gigawatts? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ces vêtements bizarres? Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? C'est bien ce que je me demande aussi. Je devais être complètement dans les nuages. Ah. Eh bien, on se tire. Ça doit être le quartier des fous. Si on s'attarde ici, on va devenir débiles. Vous voilà, vous autres. Ça alors, je ne m'attendais pas à vous retrouver tous à l'heure. Cette ville est pourrie. Tu l'as dit, une vraie misère. Les gens sont mal polis, ou alors à moitié fous. Ça sent mauvais et c'est moche. Ça pourrait être la cité des nains. Va crever. Les commerçants sont des escrocs. Quand je vous le disais. Comment ça? J'ai voulu faire examiner le Scroll of Stupidity et le Runestaff of Curse. Alors, t'es allé voir un sage? Bah ouais. Il vendait du shampoing? Le sage m'a pris 5 pièces d'or par objet. Quoi? Et alors, c'était quoi leur pouvoir? C'est du vol en plein. Le parchemin est maudit, c'est un sort de confusion de l'esprit. Et l'autre, là, le bâton. Encore pire, il transforme en chèvre quiconque tente de l'utiliser. C'est con, une chèvre. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Bah, j'ai balancé le parchemin et j'ai revendu le bâton pour 6 pièces d'or. Quelqu'un a voulu acheter ça? Oui, un mioche avec des lunettes, dont la baguette était cassée. Ah bah ça, c'est bien joué. Oui, oui, on y va. Moi, j'ai acheté des bracelets plus 2. Plus 2 en quoi? J'ai oublié de demander. Quel débile! Bon, nous allons passer la nuit dans cette auberge accueillante. Tu as vu le nom sur l'enseigne? Au rat d'égout lubrique. Ah ouais! Cool! Effectivement, c'est accueillant. Allez, entrons. Et le premier qui fout le bordel pourra se trouver une nouvelle compagnie. Ouais, j'adore l'ambiance! C'est plein de brigands! Yeah! Bon, alors, voyons voir. Comment ça marche, ce bâton?